Bonjour, bonsoir tout le monde. Avec plaisir de rentrer la caillou pour nous capable porter baou une nouvelle émission sous Chanel Paula, Chanel Prophétia. Dernier temps ça yo, en pile prophète ak prophétesse participent parler de reptiliens. Qui ça reptilien yé? Qui origine mot ça? Eh ben professeur Jean-Gaspard Bissainthe dans cadre d'émission ça pral porter pour nous toute précision dans ça qui vient à ouais à une série thème en pile prophète toujours utilisé dans cadre message pour pays à tant coup reptilien. Restez connectés nous, n'attend réaction, n'attend commentaire. Bye bye tout le monde, à très bientôt. Ciao ciao. Chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes. Bonjour, bonsoir. C'est professeur Bissainthe qui retourne pour capable présenter nous une nouvelle émission. Je dis une émission pour présenter en forme d'un enseignement, puisque de temps à autre, nous sommes toujours fait ça, nous sommes toujours engagés nous, pour nous capables de présenter à internautes, à nos chers auditeurs, auditrices, une série de enseignements qui est capable de servir, qui est capable de permettre que vous compreniez mieux une série de phénomènes et qu'à produire à travers le monde. Dans ces derniers temps, nous entendons en pile on a parlé des reptiliens. Dans le mot reptilien, nous avons le mot reptile. Et parfois, ils ont attribué les reptiliens comme des entités qui accaparaient, qui animaient monde, surtout les élites mondiales, monde qui a dominé la terre, monde qui a corps, qui gagne pouvoir politique, économique, qui est capable de décider sur la destinée mondiale. Alors, nous toujours parlé de reptiliens. Mais évidemment, l'homme en général sorti de reptile. Si nous mettons ça dans un contexte purement biblique. Par exemple, nous rappelons bien dans le livre de la Genèse, Genèse 1, nous lire comment l'homme avait été créé. Et dans le même livre de la Genèse, de la Bible, d'après strictement dans le contexte biblique pour le moment, nous venons comprendre que le serpent avait trompé Ève, lui fait que Ève a mangé le fruit défendu qui, pour des chercheurs est assidus, ça veut dire que Satan fait sexe avec Ève. Donc, immédiatement, il vient gagner la capacité, il vient évoluer en tant qu'être, il vient gagner une conscience avancée qui permet que les capables de discerner le bien du mal. Donc, c'est ça que le Dieu créateur, pas voulait que les hommes étaient arrivés à connaître. À gagner cette conscience qui va permettre que les capables de discerner le bien du mal. Alors, puisque c'est serpent qui enceinte Ève, donc, bien après, Ève a couché avec son mari, qui c'est Adam. Lévin fait un petit monde. Le premier timoun, c'est n'a parlé de Caïn. Parce que Ève est enceinte, il fait Caïn. Et puis, l'alba maril, la couche à maril tout. Et puis, il fait Abel. Alors, ça capable de faire parce que la science médicale reconnaît et les enfants dizygotiques et ont gagné 2 ovules fécondés par 2 spermes différents. Donc, le premier sperme, c'était le sperme du serpent qui vient nous Caïn, et deuxièmement, c'est sperme de Adam, le mari d'Ève, qui vient nous Abel. Donc, puisque Caïn tue Abel, donc nous venons gagner seulement les descendants du serpent. Donc, puisque nous descendons du serpent, Ève et Adam viennent faire l'autre petite que dans la tradition judéo-chrétienne, il y aurait laissé la race pure qui sortit à partir de Seth. Mais première génération qui était faite, de génération en génération, eh bien, les hommes sont d'origine du serpent. C'est-à-dire que leurs ancêtres, le premier parent, c'était le serpent ancien, qui était trompé Ève. C'est ça que nous lisons dans la Bible. Or, évidemment, les n'a gardé bien avant, alors, on a parlé de les enfants des zygotiques. Et ça n'a pas gagné longtemps, on a fait de 15 d'années, une Anglaise qui a fait deux timounes. Premier timoun, t'es blanche, et deuxièmement, t'es noire. Donc, bien après, elle vient confesser qu'elle était couchée avec Marie-Li, qui est un blanc, et puis elle vient coucher en moins de 24 heures de temps, ou bien en moins de 48 heures de temps, elle vient coucher avec un monsieur noir. Qui fait que il vient gagner deux spermes, ou vient gagner deux ovules qui viennent féconder, qui fait deux timons différents, qui gagnent deux papas différents. Donc c'est même chantou. Dans le cas de Ève, c'est ça qui passait. Ça, c'est l'interprétation qui est faite par rapport à la pomme, ou bien le fruit défendu. Maintenant, si on regarde l'homme, par exemple, n'a regardé épine dorsale, colonne vertébrale, l'homme, eh bien, ça que relé et dans la tradition hindoue, même dans le yoga, nous relé ça Kundalini. Et nous venons gagner, Kundalini veut dire énergie. Alors, c'est force vitale qui, côté que serpent lui-même, les trouver à la base de l'épine dorsale. Alors, là, on a parlé de Kundalini, si on parle dans le sanskrit, il y en a l'un qui est plus ancienne aux Indes, ça veut dire ce qui est enroulé. Donc on a parlé de enroulé comme, ou bien encerclé comme un serpent. Donc, on est capable d'activer cette énergie. D'ailleurs, là, on parle de chakra. Ok, de chakra, c'est l'éveil spirituel. Et nous connaissons que gagner, on parle de 7 chakras. Le terme chakra en sanskrit veut dire la roue. Okay? Et qui représentait tous des points énergétiques dans chaque humain qui existait. Et ça vient affecter le bien-être spirituel, nous, aussi bien que le bien-être émotionnel que nous gagnons, la Kaino. C'est-à-dire que le bien-être spirituel, nous, et le bien-être émotionnel, nous, pour dépendre de chakra. Et là, on parle de chakra, il est activé à travers la Kundalini, qui est cette force vitale là, que lié, mais debout de Kundalini, on va parler de serpent. Donc, depuis serpent activé, donc chakra activé, et à travers la Kundalini, qui est l'épine dorsale, la colonne vertébrale, qui est en forme de serpent. C'est ça que fait, par exemple, même en faisant l'amour, eh bien, la femme comme l'homme, ils plaignent comme le serpent, ils sifflent, on nous dit ils sifflent comme des serpents, pendant que ils arrivé au niveau d'extase pendant que vous êtes dans une relation sexuelle, par exemple, là, eh bien, vous sifflez comme des serpents. C'est comme ça. Alors, c'est pour vous dire que nous avons serpents dans nous. Donc, si nous avons serpents dans nous, eh bien, nous sommes des reptiliens. Alors, d'une manière générale, les parler de reptiliens, eh bien, nous venons comprendre que ce sont des descendants des anciens lézards, dinosaures, qui étaient existés dans l'Antiquité et que ont classé comme, c'est pas nous-mêmes qui classons, non, mais nous sommes défendre les théories de la conspiration. Nous sommes capables de dire les conspiracistes. Les conspiracistes, ils ont classifié plusieurs espèces endémiques qui étaient développées sur la Terre. Et parmi ces reptiliens, il y a les Atlantes, qui étaient là longtemps, plus de 20 000 ans, sur la Terre. Il y a les Andromédiens, qui auraient les tous sauriens. Il y a les amphibiens, il y a les acturiens, les braviens, les chitauri, les pléadiens, les syriens, les télos ou les télosiens, les vénusiens, les yahiels, les orioniens, les sassani. Et alors, il y a tous les alpha draconiens et les altaïriens. Toutes reptiliens ça yo sorti du système stellaire ou de plusieurs systèmes stellaires, mais d'une manière spécifique alpha draconien et altarien yo sorti dans le système stellaire Alpha Draconis ou Tuba, qui veut dire tête du serpent. Alors on a parlé dans la constellation du draco ou bien du dragon, et Altaïr sorti dans le système stellaire de la constellation Aquila, ce qui veut dire aigle, Aquila, qui veut dire aigle. Donc, les draconiens, eux-mêmes, ce sont des entités ou des êtres qui trouvent dans la 5e dimension. Ils sont très évolués, puisque nous-mêmes, en tant qu'humains, nous trouvons dans la 3e dimension. Mais les draconiens, ils sont considérés comme l'élite de la hiérarchie reptilienne, qui ont une civilisation très évoluée. Alors, si nous regardons Moyo, nous voyons par exemple dans Syrien, nous voyons Sirius, nous voyons Pléadien, nous voyons Pléiades, nous voyons Orion, nous voyons Orion. Là, nous parlons d'étoiles, nous parlons de constellations. Nous prenons par exemple dans le groupe Sahara, que moi je mentionnais là, les Sassani, ou bien les Essassani, qui sont des reptiliens plus proches des humains. Et eux-mêmes, nous gagnons tout. Alors, on a parlé de Orioniens. Sassanio, ils sont sortis dans Orion, dans la constellation d'Orion. Et ce sont des Oroniens que y tout. On a parlé des Sassani. L'espace Sassani, ils constituaient tout une race bienveillante qui mélangeait au gris. On a parlé de reptiliens gris. Et eux-mêmes, Sassanio, ils ont rempli d'amour pour les humains. Femelles, femmes, ils ont des cheveux blancs, et mâles, garçons, ils sont chauves. Donc, ça fait que, ils dit que les Sassani, nous, même comme humains, nous partagé avec eux, même patrimoine génétique. Des Syriens autour, qui sont dans Sirius. Et nous toujours parlé de Sirius, et eux-mêmes, ils ont participé dans la création humaine. D'après les gens qui savaient, d'après les gens qui étudiaient. Et les astres, dont ils viennent parler que les Syriens étaient là lorsque l'homme a créé, l'homme et la femme. Donc, ils même hyper bleu, de couleur bleue de peau, très gentil, et ils spécialisés dans la technologie, l'architecture, les énergies durables, la géométrie sacrée, etc. Syriens n'ont pas de muscles, mais ils ont des yeux bleus. Et les yeux faits en forme de, ça nous capable de en français, ovoïdo, t'as qu'aux œufs. Les yeux faits t'as qu'aux œufs. Ouais. Donc, ils croient dans le principe universel. Ils croient que chaque partie fait partie du tout. Donc, c'est l'unité dans la diversité. Ça, ce sont les Syriens. Alors, si nous continuons et étudier d'autres reptiliens, tout à l'heure, on dit que nous-mêmes, tout, en tant qu'humains, nous sommes des reptiliens. Donc, nous venons gagner, par exemple, le Yahiel, par exemple, les reptiliens Yahiel, ils habitent dans une exoplanète. Ça veut dire une planète qui est en dehors de notre système solaire, qui est en dehors de notre galaxie, et qui constituait tout la race la plus proche, l'autre race, qui est très proche des humains. Yo même tout, yo très avancé sur le plan de la connaissance universelle. Les Yahiel et dans la tradition taïno, nous trouvons une divinité qui est Yayelto, qui c'est le fils de Ya ou de Yaya. Très étrange, hein? Maintenant, les habitants de Yayel, le très charmant, intelligent et doux, ils n'ont pas fait mal aux êtres humains. Mais si m'après tout dit, dans la question de Kundalini, hein, que nous avons expliqué tout à l'heure, qui est la force vitale qui existait, que nous-mêmes nous parlons de Kundalini, l'épine dorsale. Okay? Serpent trouvé à la base de l'épine dorsale, le serpent enroulé. Et vous activez lui, ok? Et pour activer lui, donc vous mettez chakra en éveil. Ok? Vous mettez chakra en éveil, immédiatement, ça affectait et ta vie. Ça affectait ton bien-être. C'est ça que nous sommes capables de relayer l'éveil spirituel. Donc, le dieu du Kundalini, qui engendre l'énergie et la conscience, il y aurait les lits Bahiravi en langue sanscrite. C'est la cinquième grande sagesse cosmique que l'il est. Il incarnait la destruction. Il y a un concept que nous ne devons pas envisager comme non-sens négatif, parce que la création du monde, si n'a point le tour, et dans un contexte purement scientifique, et même biblique tout, eh bien, sans la destruction, nous ne pouvons pas gagner, le monde ne peut pas exister, la création du monde ne peut pas produire sans la destruction. Ça que les savants, il y aurait le Big Bang, la théorie du Big Bang, ou explosion qui fait. Même, genre, par exemple, on voit que tout, d'après la Bible, d'après la Genèse, Genèse 1, on dit que au commencement, c'était ténèbres qui étaient gagnées. C'est-à-dire que la vie, la création même, les prend naissance à partir des ténèbres. Et nous venons gagner, par exemple, les textes sumériens qui rapportaient que les reptiliens ont fait la guerre aux aliens. Aliens, on a parlé aliens Anunnaki, les extraterrestres Anunnaki, qui aussi ont participé dans l'évolution de l'Homo sapiens. Alors, là, nous venons l'homme en tant que sapiens, là, nous venons Homo sapiens, là, nous venons en présence d'un genre humain qui est amélioré, qui est avancé. Et ils ont parlé que texte sumérien, ils ont parlé reptiliens, ça y est, et Anunnaki, ça y est, des êtres, des anciens de haute taille, des géants, eh bien, yo même tout, c'est yo qui amélioré le genre humain par la manipulation génétique. Donc, reptiliens, yo remonté la surface de la Terre de manière invisible et yo fait petite avec les humains, même j'en ouvre ça dans le livre de la Genèse 6, et yo accaparé du pouvoir énergétique des humains, aussi bien que de pouvoir politique, économique et militaire. Ça, on a parlé des reptiliens. Jodi a gagné un pile monde, par exemple, qui au niveau politique, on a parlé des élites qui ont dominé le monde, eh bien, et nous toujours tendez que monde ça de manière invisible, ils sont possédés par ces esprits reptiliens qui animent parce que, et un pile de reptiliens, ça ils auraient même fait la guerre. Ce sont des belligérants. Donc, ils ont animé ces leaders pour capable faire la guerre, pour capable détruire le monde. Donc, c'est ça que nous apprenons. Dans la mythologie, certains peuples, nous trouvons que le mélange racial qui fait et entre les reptiliens et les humains, ils ont engendré une race que nous sommes capables de brûler, la race des humanoïdes, qui présentait en forme de mi-homme, mi-lézard. Moitié moon, moitié lézard, ou moitié reptile. Et je me rappelle bien que dans la tradition vaudou, il y a un maman, on samedi, que nous connaissons comme Agaman Ibo. Mais Agaman, nous connaissons son reptile que lié. C'est un terme purement taïno. Ouais, mais c'est l'esprit ça qui représente maman, on samedi. Et c'est lui qui est censé qui gagne une dominance, un pouvoir totale, capable de dire, au niveau des cimetières. Ce n'est pas Baron Samedi en tant que gardien des cimetières, ni son épouse Grande Brigitte, mais ça c'est maman qui c'est Agama. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de Nibo, Nebo, qui sont mots d'origine babylonienne, qui garou avec serpent, et Angama qui veut dire reptile. Donc on a Angama très bien en Haïti. Ouais, donc on a Angama, son reptile que lui. On lézard que lui. Donc ces deux mots saillants qui sont censés, qui viennent former, ça nous capable de un reptile, deux reptiles, de différentes. C'est-à-dire un lézard, aussi bien un serpent qui vient de nous, lézard serpent qui vient de nous, Agamanibo. Et ça fait que nous avons regardé Nebuchadnezzar, ok, Nabucodonosor, ok, et nous regardé et tout l'autre roi babylonien ou assyrien qui portait Nibo, Nebo, non, il y a un rapport avec le serpent. C'est l'esprit serpent ça qui a au pouvoir, qui t'a fait aussi fort dans l'Antiquité, là où tu as dominé la terre. Et oh, c'est pas même dominer la terre, on dit région que tu as régné là-dedans. C'est-à-dire que leur espace, leur territoire, leur région, parce que tu n'as pas dominé toute la terre, tu as gagné différents empires qui n'ont pas couvert toute la terre, mais tu es très influent. Donc, grande partie de la terre. On a parlé, par exemple, l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire égyptien, mais dans le cas de Nibo-Nabo ou Nebo, c'est plus au niveau de Babylone, au niveau de Akkad, au niveau de l'Assyrie. Alors, pour nous continuer, nous dit que gagnent deux races d'étoiles stellaires que nous avons oublié de mentionner, les nordiques et les hauts blancs. Mais avant de rentrer dans les nordiques et les hauts blancs, il faut me dire que gagnent des télociétos qui habitaient au fond de la terre. Et parce que ça, c'est. Nous venons connaître ça à travers Chanvaudou, en tradition, à travers le monde qui possédait, qui toujours parlé de télos. Donc, s'il n'y a pas de télos, et qu'on présence de ces entités-là, pendant que yo chevauché, yo possédé, il y a parlé de télos ou de télos, surtout au niveau de l'artibonite. Donc, nous venons comprendre que il y a une race télosienne quand même, ou des esprits télosiens quand même qui trouvaient sur dans l'environnement d'Haïti, sur le territoire d'Haïti. Et même si c'est en bas terre, que l'entité est dominante, mais ils ont émergé tout, et ils ont possédé, et ils ont une série de monde en Haïti qui reconnaissent comme réellement des entités supérieures, des entités qui font partie de la 5e dimension. Donc, les Nordiques que nous avons parlé de les hauts blancs, H-A-U-T-S, ils ont même réussi subtilement à infiltrer différentes couches des sociétés terrestres. Ils ont croisé sexuellement avec les États reptiliens. Et Haïti, les États reptiliens, ils ont porté le nom de Haïti Kula, ou Haïti Kula. Kula, K-U-L-A, en langue sanscrite, les signifie clan, tribu, nation. On a parlé le clan d'Haïti. Et puisque son clan, ils ont connecté avec les Atlantes, ou les Atlantidiens, qui réincarnaient et qui parcourir la terre. C'est ça qui fait que Atlante, descendant Atlante, esprit Atlante qui réincarné, vous trouvez un peu partout. Mais il y a un pile en Haïti. Je dis, il y a un pile monde qui est clairvoyant ou bien clairvoyante, ou bien il y a des gens qui possèdent, et puis on reconnaît qu'il y a une émergence, une activation. Et les esprits Atlantes en grande activité, aussi bien les esprits Taïno. Donc, les hauts gris, ils prennent plaisir, pour rendre esclaves des âmes humaines par un système de contrôle à travers les clans monarchiques et les confréries secrètes de pouvoir économique et politique. Un petit groupe moun dans le monde qui en pile pouvoir dans mais ils ont décidé encore une fois pour l'avenir de l'humanité, ils ont des armes nucléaires dans mais OK, ils ont fait des fers, donc ils sont obligés qu'aimer l'autre monde en bas code. Alors, on a parlé de l'esclavage de nos jours purement mental. Et côté que, et en pile, des milliards de monde, d'individus, et dans le monde, ils sont esclaves, ils vivent dans la pauvreté, parce que c'est un petit groupe qui gagne toute richesse mondiale là dans la mer, et vous retrouvez dans plusieurs pays avancés, dans plusieurs grands pays. D'autres points que nous avons fait, nous sommes capables de dire que les hauts gris qui de la race reptilienne, ils ont gagné dans tout que nous sommes capables d'identifier au roi minuit ou bête minuit en Haïti. Même genre, nous parlons de Anunnaki, nous parlons des Nephilim, qui sont une série d'êtres sumériens de l'Antiquité, qui de haute taille, les Télochiens, les Anakim de la Bible, les fils d'Anak, de belle hauteur, très très haut. Et bien, nous trouvons parmi cette race des gris, nous trouvons tous les rois minuit et les maîtres minuit, les plus hauts de la race reptilienne. Nous pas dit c'est au griot et non, au griot au retour, mais nous parlé, nous précisé que les entités les plus hautes, les entités les plus hautes, ça plus haut dans la race reptilienne de manière générale ou de la race du serpent, ce sont les rois minuit. Et eux-mêmes, c'est de eux que Néphilim, Télochien, Anakim et Atlantios nous sommes capables de dire descendre. Et ça, ce sont des races qui existaient des milliers d'années dans le monde. Et alors, l'homme dit le monde, on a parlé de, surtout dans notre galaxie, dans différentes constellations. Parce que, et Atlantios, nous connaissons que, ils sont sous la terre, nous sommes dit tout à l'heure, ils sont en bas terre, ils sont dans les eaux, sous les eaux, et Télos au même genre, mais nous avons une race Anakimio, qui était très connue, que la Bible parlait de eux, et Néphilimio, c'est même Anunnaki et tout. Parfois, le terme Néphilim, ils ont identifié aux Anunnaki qui étaient fait petite avec les filles des hommes, selon le livre de la Genèse au chapitre 6. C'est ça fait qu'on race, qu'il y a un groupe monde, bah dit race, il y a un groupe monde, une nation, la nation des Dogon. Et au Mali, chaque 60 ans, ils reconnaissent que la constellation de Sirius et les orbiter avec deux Sirius, Sirius A et Sirius B. Donc Sirius A orbité avec Sirius B. Donc chaque 60 ans, ils fait une grande fête, une grande pompe, ils font fête dans l'occasion ça, côté que Sirius A orbité avec Sirius B. Et les nomos, et, ou Syriens, parce qu'ils ont porté le nom de nomos tout, nom. Entité, esprit, les prêtres, donc Dogon, ils reconnaissent, d'après la tradition orale, ils disent que descendants, ou ancêtres, non, leurs ancêtres, je précise, hein, leurs ancêtres sortis dans une planète mineure qui était orbitée avec Sirius B. Étant donné que la planète ça t'apprend à disparaître, eh bien, ils prennent refuge sur la planète Mars. Et plus tard, la planète Mars, frappé par un astéroïde, qui il y a de cela près de 900 000 ans, donc, qui fait que leurs descendants vont trouver sur la Terre ou prendre refuge sur la Terre. C'est ça, Dogon dit, d'après leur histoire. C'est ça que raconté. Alors, Dogon, il y a tout que. Il parlait que en cette période, ils étaient identiques aux créatures amphibiennes. OK? Parce que les créatures, ça, ils étaient portés des habillements gris et ils étaient intervenus tout dans la création humaine avant que, encore une fois, ils étaient abandonnés. L'espace que nous avons vécu là, c'était une lune presque morte de la planète Saturne que nous avons vécu. C'est là que nous avons vécu. C'est là donc on dit que en fait, ils sont sortis. Donc, je dis, sous la terre, d'après les Dogons, la reine terrestre, il est Ama, A-M-M-A. C'est lui qui a engendré les jumeaux d'essence, les nomos. Et les n'a parlé de nomos, n'a parlé des Syriens. Syriens, les habitants de Sirius. Donc, nos monstres, et alors les jumeaux, ces jumeaux, c'est deux êtres de corps, vert et lisse, mi-poisson, mi-humain, maître de l'eau et de la parole. Selon Dogon, eh bien, reine Saha Ama, l'y pétrit de ses mains de l'argile humide pour capable créer deux âmes. Une femelle et une mâle et puis une autre femelle. Et puis c'est comme ça que dans la mythologie, on croit que c'est comme ça que le développement de l'humanité primitive a commencé. Ça, c'est l'histoire des Dogons. Et Dogon, ils ont gagné un pile connaissance tout de l'astronomie et de l'astrologie. Côté que les Maliens, eh bien, il y a un pile chercheur qui a grand respect pour les Dogons du Mali. Alors, il y a en Haïti, par exemple, un groupe d'esprits humanoïdes qui a une forme humaine, parfois ils ont manifesté, ils ont incarné, et nous relayons Guédeléto. Alors, de peau grise ou marron, d'origine aborigène ou extraterrestre. Pendant longtemps, eh bien, dans vaudou haïtien, il y a des gens qui pensaient que l'into, c'est un esprit d'un petit monde. Parce qu'il est très bas, il est son petit nez. Il mesuré qu'à mesurer, l'into qu'à mesurer 5 pieds, d'autres, ou bien 4 pieds, 4,5. Mais il est très docile, il a une bonne manière. Donc, l'into, j'étais toujours l'into comme un esprit petit monde, bienfaisant, mais il n'a pas jamais considéré en Haïti comme un reptilien. Alors, il y a dans la zone fond parisien, là, pour aller au niveau de, on descend pour aller Jimani, en terre dominicaine, il y a le lac Azuéi, et nous avons le lac Azuéi. Donc, lac ça, en plus, on pensait que tu as gagné dans le passé des mouvements, des activités d'engins lumineux, extraterrestres, qui étaient qu'on a sorti dans le lac Azuéi. Et que l'into, on a parlé de zones, de régions, on a parlé de zones fond parisien. Et il y a une histoire de l'into dans zones Zato qui est très connue. Mais nous venons comprendre que c'était une zone qui était une grande activité d'extraterrestres dans le passé. Et puisque le groupe reptilien Sayo, c'est extraterrestre qui était sorti dans la Kajoui, que en pile monde confessé dans longtemps, dans les années 30, 40, était qu'on activité ça yo, même dans les années 50, puisque c'est une zone qui était très boisée, que le théier, et histoire de l'into là tout. Donc nous venons comprendre que l'into, c'est plus on race que lié au lieu d'un esprit unique que lié. Donc, c'est conclusion ça que nous potons. Donc, histoire en pile. Il faut l'orgueil aujourd'hui, mon cap étudier extraterrestres, il parle des extraterrestres gris, et il parle des extraterrestres qui entre les mains des autorités américaines, qui depuis 1947, que tu as une tragédie qui t'est passée avec un engin extraterrestre au niveau de Roswell et New Mexico en 1947, et tu as deux extraterrestres que tu as retrouvés, capturés au niveau de Roswell, et aujourd'hui, ils ont trouvé une base militaire américaine très, très connue, mais son zone très restreinte, on n'a pas d'accès. Public n'a pas accès à la zone ça, qui aurait Area 51 au niveau de Nevada, de l'État de Nevada. Donc, il y a pile d'informations d'après ufologues ça, d'après les théoriciens de la conspiration qui parlaient que il y a pile secret, c'est eh bien c'est extraterrestres ça, deux extraterrestres gris ça, qui transmettent et aux autorités américaines un pile secret sur la technologie. C'est ça que je viens expliquer aujourd'hui. Hein? Histoire en pile, mais on a continué investiguer, puisque je dis, nous voyons que le monde est en guerre, et que, je dis, plusieurs pays gagnent armes nucléaires, ils sont capables d'essayer de détruire le monde, de détruire la Terre, et surtout, ça qui existe sur la Terre, mais la Terre est toujours capable, si ça t'a pas fait, la Terre a retourné, renaître de nouveau avec les plantes et des humains. Ouais, parce que ce n'est pas tout le monde qui a mouru, mais nous pouvons tourner en temps primitif. Si que tu as une guerre nucléaire qui t'a déclenché entre les grandes puissances du monde et qui a essayé de contrôler la planète Terre et qui est animée par des esprits reptiliens ou ces reptiliens qui prennent forme humaine, qui incarnaient, qui ont créé des ordres sur la Terre et qui gagnaient des armes de destruction massive. Non, mais yo, je dis, donc, le monde fait face à une situation critique. Nous trouvons actuellement sur une mauvaise pente. Parce que ceux qui nous dirigent, petits groupes, les élites du monde qui nous dirigent, qui ont pile le pouvoir, non, mais yo, eh bien, c'est eux qui ont décidé qui ça fait avec le reste du monde. Donc, n'a pas gardé, mais l'essentiel, c'est ça que Mtevin partage ensemble avec nous aujourd'hui, hein, comme un enseignement qui est capable de créer un réveil, la Kainou, en même temps, c'est un enseignement qui crée un pile préoccupation. Parce que aujourd'hui, il y a un pile prolifération des armes nucléaires entre des mains des individus qui n'est pas du tout capable de lever et puis capable de décider qui ça fait avec la planète Terre. C'est ça que je devine expliquer. Merci, chers frères et sœurs, de ce que nous t'apportons votre attention. Non, moi, c'est docteur, professeur Bissainthe. Si nous t'arrêtons rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Téléphone, c'est 973 666 3424. 973 666 3424. Restez en paix avec tête. Restez en paix avec la nature et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de lumière, les grands esprits Atlante et Taïno capables de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.